Et ok! Et salut à tous, c'est Rikalko, on est parti pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy IX! Je vous avais laissé la dernière fois ici mes petits résumés. Alors que notre ami Jidan et ses valeureux compagnons choisis par Araka la semaine dernière, hein, je rappelle, c'est lui qui a composé les équipes pour que je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Donc tandis que Jidan et ses amis sont partis encore foutre la merde de leur côté en récupérant des objets do not touch these, because it's the end of the world if you take, bah il l'a pris quand même hein. Pour le donner au grand méchant Kuja qui l'a menacé de tuer ses amis dans la lave par des petits pièges de merde qui finalement Kuja est un connard hein, y a pas à dire, c'est un connard. Un beau connard, mais un connard quand même. Qui a décidé de faire souffrir tout le monde en mettant un sablier en route, heureusement. Alors Karaka m'a interrompu en plein résumé pour son abonnement Prime. 8e mois, merci, ça fait super plaisir. Ouais, allez, je dirais 14 abonnements et vous aurez le droit à des nouvelles émotes. Notamment un émote qu'on m'a demandé. Faut les spammer. Bon, j'en étais où? J'en étais à... Oui, alors, petite merde de Kuja, j'en étais là. Je crois que ça avait plu à Araka, c'est pour ça que c'est à bout. Donc, il a lancé un sablier, et pendant que le sablier tourne, la lave commence à arriver par une trappe. Hein. Regardez l'épisode précédent, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Par chance, le roi Cid, qui était une grenouille, a décidé d'essayer de les sortir de là, et on se retrouve là avec Stenner et ses amis. Donc ce qui reste, hein, Stenner, Tarrasque, Daga et Bibi, qui pour l'instant n'ont absolument pas combattu depuis qu'ils se sont échappés de leur cellule. Ils ne se sont pas échappés de la prison, mais de leur cellule. Et j'ai dû vous laisser là. C'est parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de combat. Ouais, combat. Ça vaut le coup. Bon, il y a des combats en fait. J'ai vraiment eu de la chance en fait. Oula, c'est quoi ça? Je ne connais pas. C'est un gros chat. On va faire que des attaques simples. Il me semble que je les ai pas encore. J'ai oublié de vérifier. Oh non, ils ont leur stuff optif, c'est vrai. Normalement. Commande bloquée. Sérieusement. Pas du... Pour moi, utilise un objet, non? Un défigeur sur Stenner. Raté. Il est pas en défigeur. Bibi a donné un coup de bâton, il est mort. Ouais, bravo. C'était pas fossile, c'était stop en fait. De l'améthyste du coup. Bah, du coup ça a rien fait. Ouah, Stenner. C'est Stenner quand même. Bon bah ça va là. Bon, y'a de la baston. Sinon j'en étais où? Je suis monté, je suis redescendu, je sais plus où j'en suis. Ouais, je disais que la semaine dernière, j'ai dû m'arrêter rapidos. Heureusement qu'il y avait un Moogle que j'ai réussi à trouver. Sinon, j'aurais été dans la mouise parce que je devais passer un examen durant la semaine. Non, c'est pas là. Donc du coup, il faut monter au-dessus. Il faut activer les bougies. Alors, faut aller là. Excusez-moi. Bonjour. Non, c'est de là que je viens. Oh, excusez-moi, hein, je me permets. Oh. Il y a un truc là. Bon, la fenêtre est humide, vous pouvez l'ouvrir.
faut éteindre les bougies normalement. Baston. J'ai vraiment. Ah si, j'ai peut-être eu un petit combat ou deux à la rigueur, mais je me rappelais pas avoir. Oula, c'est quoi ça encore? Je me souviens pas affronter ce genre de truc, hein, c'est ça qui est drôle. On va brasier plus. Non, brasier plus dans une bibliothèque, c'est pratique. C'est un nécromancien. Nickel! Vas-y, on le défonce! Invisibilité pour me casser les couilles, évidemment. C'est vachement invisible, hein. On va quand même envoyer une petite couleur plus pour être sûr que ça soit bien. Cyanure! Poisson de dégâts avec une flamme. Ouais, Daga attaque. Mais quand elle attaque, ben c'est au moment où les ennemis sont invisibles, évidemment. Invisibilité, heureusement. Boomerang. Donc, boomerang, on évite de d'envoyer des sorts maintenant. Raté, super. Cyanure. Bibi. Daga, tu pues vraiment la merde. Daga, il soigne les ennemis maintenant en donnant des coups de bâton. Ah, je crois en plus, non, elle a le bâton de soin, c'est pour ça. C'est ma faute. Ma faute. Ma faute, je confirme, c'est ma faute. Je comprends pourquoi elle a du mal. Comment de. Désolé, mais Tarrasque a beaucoup de problèmes de. De problèmes. Alors, je peux pas faire mieux normalement. Lui, il est bon. Là, on touche pas. Là, on touche pas. Pleine lune, on peut le remplacer par. Champion! Bah, c'est tout ce qui arrête. Champion et compétence plus. Donc, ça veut dire que ça, je le remplace. Et le compétent, la compétence plus, je peux le remplacer par. Rien du tout. C'est le meilleur qui est. Okay. Du côté de Tarrasque. Niveau bracelet, il est bon, donc normalement je peux le mettre à 22 d'esquive, 14 d'esquive magique, ça, ça va être bien. Le turban, pas encore, les griffes, on touche pas, le gilet camo, je peux le remplacer, ça c'est cool. Par un gilet qui fait moins... à la brigandine, ça serait bien. Avec rétro magie à 170, avec de la grosse défense et plus de force. La pie, il y a déjà compétence plus, on va pouvoir le changer. On a pleine lune ici. On a contre-attaque, on a sanatorium. Avec des compétences en plus, on a des troubles. Il y a beaucoup ici. Il y a bobo! Il y a bobo! Il y a beaucoup. Je pense que je vais commencer par le truc le plus pourri, à savoir des troubles. Plus d'esquive magique. Sauvegarde! J'ai fait deux combats en 2 minutes. De toute façon, il va y avoir un peu de farming, hein. Cette équipe est très en retard comparée à l'autre. Donc il va falloir que je forme un peu avec eux. Et c'est tant mieux parce que. J'ai bien fait d'avoir fait le farming avant la séparation, sinon j'aurais été dans la merde totale. Bonjour. Bougie, 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 bougie. Encore des escaliers en spirale, mon colonel. Ce
peut-être que c'est... Je sais pas, c'est le hobby de Stainer, il y a des escaliers à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tapez! Est-ce qu'il faut les cramer? Est-ce qu'il faut les... Attaque Stainer! Coup critique! Prends ça, Stainer! 32. Putain, la vache, ça va être con. Ça va faire du gros soin. Hein. Moins plus, s'il te plaît. T'as clairement besoin là. Vas-y, Bibi! Que toi qui fais des dégâts. Le Taras n'est pas cool lui. Hein. Le Stainer c'est quand tu veux pour taper. Hein. Ok, on voit bien que c'est la merde. Il va falloir que je tente autre chose. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Attaquer Taras. Bon, on est stop. Faut que je teste des trucs hein. De la merde. Oui, on va lancer des trucs évidemment. Il y a eu un mort. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais il y a eu un mort. De bâton raté, bon. Il y a des moments où ça fait 1400 de dégâts et des moments où ça en fait zéro, donc il doit se passer un truc normalement que je maîtrise pas encore chez eux. Level up des topazes. Tout ça pour ça, merci, bisous. Escalier, escalier. Faut que j'arrive à activer ce truc. Putain. Par derrière, sale bête. Pas très gentil, hein. Oh, c'est l'heure qui a moins de 1000 PV, c'est pas bon, ça. Elle attaque! Merde, non, 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 non! J'ai fait taper ta gueule, je suis trop con. Coup critique. Re-heal à 300. Blaster. Tape sur Stainer.
commande bloguée. Je te demande de taper Stenner, c'est pas compliqué. Prends ton bâton, tu tapes. Oh. Je sais pas comment, pourquoi ça lui arrive d'avoir la commande bloquée. J'espère que ça pas arrive à tout le monde quand même, parce que c'est bien lourd. Hein. Si tu dois compter sur elle et qu'elle fait ça, c'est pas la peine. Hein. T'es exclu du groupe. Un bâton qui fout la merde. Bon alors, on a un problème. Problème résolu. Je vais monter tout en haut, mais... Ça monte, ça. Monte plus d'escaliers, Stenner, s'il te plaît. Qu'on a pas que ça à foutre. On veut continuer l'histoire pour une fois. Encore un nécromant. C'est un nécro... Ah non, c'est un nécromant, c'est pas un zombie. Faut pas comprendre. Attaque Stenner. Attaque Stenner. En plus il est confus. Je l'aspire ton cerveau. Putain la vache. Franchement t'aurais pas dû hein. Prends tes esprits Stenner. Aspirer le cerveau de Stenner. Mais franchement t'es con, il a des têtes hein. Franchement, on a enchaîné deux épisodes de merde, hein, soyons clairs. L'épisode précédent, c'était des doppelgangers qui se faisaient passer pour des Stenner. Oh, ça va, tu attaques 10 fois, y'a pas de problème. Ah, c'est déjà beaucoup mieux, ça. Pour Bibi, oui, c'est bon. Là, c'est un bon cerveau. Bon, après, faudrait quand même penser à voilà, le toucher. Parce que ce nécromancien esquive tout, c'est incroyable. Killer. Il va encore y avoir du level up. Ah, ça monte vite niveau XP ici. Bonne nouvelle. C'est toi qui as eu le spawn killer normalement. Ouais, là avec l'armure dehors. Et on passe du coup à la carapace. Plus de stuff, plus de défense. Moins de magie, on prend pas les couilles. Et donc on aura l'hypnose. De toute façon, ils sont bas level encore. Je peux pas trop m'amuser. Ah. Oui. C'est ça d'avoir coupé une semaine. Donc ça a été fait. Bah, demi-tour, c'est tout ce qui me reste. Mais je voulais juste allumer les bougies. J'ai pas le droit. Bah après ce combat. Ouais, il y en a deux là. Vas-y, on envoie du lourd là, parce que là ça va pas le faire. Magie noire, brasier plus. Ça, ça vaut. À double. Taras. On défonce. Escrime. Prépare. Invoquer Léviathan. Pas mal. Et ça fait beaucoup d'étincelles quand même. Oh merde. Cyanure. Voilà, c'est moins spectaculaire, mais au moins ça fait des dégâts. Attaquez-le. Toujours aussi spectaculaire. Je fais de la poudre magique. Et là, le grand Léviathan, le terrible. Ça va chier. Une bibliothèque. On se rappelle. Bah, ça valait le coup d'éclairer toutes les fenêtres, si au final il n'y en a plus. Hein.
Vite! Débouillé! Faut le sécher! C'était désingué. Défoncé. Transformé en confetti. J'ai beau level up. Quadruple level up! Boum! Et un René qui sert à rien. On a demi-tour. Salut! On n'a rien branlé, hein. On va tenter. Régène de mana. Régène de vie aussi, un peu. On sauvegarde. On a gagné plein de niveaux, là. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé la touche pour fuir. À croire qu'on ne peut pas fuir dans ce jeu. On est passé de niveau 24 à niveau 26, normalement. Enfin, oui. Donc bougie putain de c'est mort. C'est les couilles. Laissez-moi. Laissez-moi comprendre ce casse-tête inutile. Putain, plus ça, plus ils arrivent par deux, bientôt par trois. Vas-y, on reçoit une amie parce que c'était rigolo. Ah, je viens de sauvegarder, c'est pas pour mourir, d'accord. Ça reste un peu plus tard. Ça va, le jeu est super bien foutu pour ça. Par contre, des marsupiales. Merde, mais putain, je me suis trompé. Eh mais Taras qui prend très cher quand même. On va se calmer maintenant. Parce qu'il a juste mis une compétence qui met une flamme violette sur la tête, mais ça enlève un gros pourcentage. Fury, quartz, mégalith. Et deux secondes. C'est très long, hein. Je suis désolé. Il y a 1600 PV, hein. C'est pas mal. On peut faire mieux. Alors Dagast, t'en es où niveau de... Ça c'est pas encore. Mais toi, je crois que t'es à fond en plus. Ah, t'es à fond. Juste la Tomo, c'est ça qu'on peut remplacer. Il y a de l'Ifrit, il y a du Shiva. Il y a de l'anti-boom. On va chercher Shiva déjà. Après on va chercher Ifrit et après on va chercher le reste. Alors quant à toi, l'autopotion, mais tu ne veux pas avoir autre chose. Non. Le kimono te donnerait pas un truc un peu plus. C'est l'âge de jour, oui, c'est important. On n'a rien d'autre. Et la comète, elle arrive. Ok, on est bon. Là. Bon. On arrête de faire les cons. Il y a un bon début. On active la bougie du haut. On active la bougie du bas. On active la bougie centrale qui est déjà activée. Donc du coup il n'y a plus qu'à faire demi-tour, je peux rien faire d'autre après. À moins qu'il y ait un passage. Non. Par là. Et demi-tour, je sais pas ce qu'il manque. Regarde l'ennemi quand même. Désolé. Comment je peux me planter sur une énigme? Le malentendu du sage. Quand la fenêtre s'illumine, vous pouvez l'ouvrir. Bah, y a les fenêtres qui sont allumées, ça y a pas de problème. C'est vrai que c'est le bordel.
Je sais pas où je vais. Là, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de passage secret. Ça m'a l'air bon, ça. Voilà. Ça pour ça. D'accord. Hein. Encore allumer les bougies, je sais pas d'où. Mais... Ok. Sinon. Je vais avoir un objet cheaté, je le sens. Gardien du palais, enlevez la force capable de neutraliser les éléments de l'anneau offert à la divinité. Oui. J'ai chopé l'alliance. Ça a l'air bourrin, ça. Faut que je sauvegarde. Permet de reprendre des forces. Bien déjà. Ça a l'air bon ça. Ça donne quoi à l'alliance? Ça donne de la force. Ça donne échapper belle. Ça donne de l'esquive. Ça permet de régénérer des PV. Évidemment, tout le monde a besoin de... Oh, Bibi. Bibi, t'as de la force! Tiens! Élément O. Chapé belle, Aspi MP. Ça aurait été tellement fort que ça soit Bibi qui récupère Aspi MP. Attends, ça change tout. Si elle, elle peut aspirer la mana. Oh putain! Non, pas lui! Non! Échappée belle, ok. Je sens que soit c'est pour Quina, soit c'est pour Echo. Et si c'est pour Echo, ça sera la meilleure heal du jeu, quoi. Alors, déjà, notre pauvre Daga, là... Bon, on a besoin de la meilleure heal compétente. On est revenu au point de départ, on est très, très heureux. Bonjour. Oh. Oh. Une potion. Ah bah non, ça c'est d'accord. Et donc il n'y a plus de créature là, tu l'as mangé. Ah, tu tombes bien, je voudrais que tu me fies une lettre. Un mug d'Erland. D'accord. Merci beaucoup. Il y a la mug boutique. Oh. Et du stuff ici aussi. Ça j'ai, c'est bon. Ça j'ai. Bâton béni, c'est bon. Ça j'ai. Ça j'ai. De toute façon, c'est les mêmes loot que dans l'autre. Donc finalement, c'est bien foutu. Hein. Le rotator, je sais pas que c'est pour qui depuis un moment. J'arrive pas à savoir. Il manque un perso, c'est pas possible. Un ninja sun. Pourquoi il y a ces armes? Il manque des persos. Les deux, il y a des 22, 27. Le diamantelet, c'est bon. Le chakra. La licorne. Après, j'ai tout. Hein.
Les kimonos, faudrait que j'en rajoute un peu quand même. Enfin, j'en ai déjà trois. Armure d'or. Potion. Maxi potion. René. On est combien? 33, ok. L'aboca. C'est bon. Le défigeur. Je vais en acheter un peu quand même. Les antidotes, on va en prendre un peu. Pas beaucoup. Le cachet. C'est jamais. Le remède. Le désembrouille. La tente. Une sauvegarde. J'ai une alliance là. Bon, je tourne en rond comme un débile. Mais ça m'a permis de récupérer un objet. C'est déjà bien de faire de l'aller-retour pour au final avoir des bons trucs. En fait, il n'y a qu'un endroit où il y a des combats et j'ai eu de la chance la semaine dernière. Bon, demi-tour. Bon, Araka m'a pas prévenu de l'alliance, j'aurais pu le perdre définitivement. Hein. J'aurais pu récupérer plus tard, je sais pas. C'est pas grave. Bah, ouais, bah redemi-tour, hein. Bonjour. J'allume tous les bougies que je peux, mais... J'ai pas vu qu'il y avait un coffre ici, en plus. La pélarme. Okay. Je cherche la pélarme. C'est quoi, la pélarme? Oula. Ça flambait, hein. J'ai déjà la fait là. C'est pas les, la bonne équipe qui a équipé une fait là. Lui, il va faire des dégâts avec son bâton. Là-bas, il n'y a rien normalement. Là. On met toutes les lumières, vous mettez le marathon. Là derrière, ça a rien. Ça c'est bon, j'allume toutes les lumières ici, y'a pas de problème. Donc j'en étais là. Donc là. Y'a rien. Juste le rez-de-chaussée ici. Faut pas trop m'y balader parce que sinon ça va être le combat. Là, à ma droite, il n'y a rien. À ma gauche, il n'y a rien. Là, à l'étage numéro 2, je pouvais aller à gauche, mais ça fait rien du tout. Là, il n'y a rien d'autre. Mais putain! Qu'est-ce que tu pouvais savoir que là, là, c'était pas un cul-de-sac, là, là, ici. Je crois pas, mais je suis là car je gagne. Regarde, il y a un truc pour toi. Bon, j'ai pu faire un aller-retour, ça fait du bien. Hein. J'ai entendu dire que Stelskin avait commencé à examiner la raison pour laquelle les courriers ne sont plus transportés. Il devrait finir par vous nous dévoiler la vérité. On attend beaucoup de lui. Mais pourquoi Artemision ne porte-t-elle plus les lettres? Il va y avoir une raison. Bah, double sauvegarde pour la tête. Ouais. J'ai tourné en rond pendant une demi-heure juste parce que c'était juste à côté et que, en fait, ce mock que je pensais que c'était un mock caché, et ben, ça n'en était pas un parce que ça permettait de continuer l'histoire. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'il y a un cul-de-sac avec un beau trésor un peu plus loin. Hein. C'est peut-être le The Passage Secret de ouf. Comme l'alliance tout à l'heure. C'est parti. Bon, on reprend. On allume les bougies. On va allumer toutes les bougies. Il y en a deux. Mais... Regardez, hop là.
Je vais affronter une gargouille. Ça fait que dalle. Gardien du palais, enlevez la résistance à la magie du chapeau offert à la divinité. Ouais. Le chapeau magique. Un capuchon. Bibi! Pour Bibi! Pour Bibi, rien à foutre. Un capuchon pour Bibi. Ouh. Oh, 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 oh. Oh, le spell. Champion. Ah, c'est pour Bibi. Ah, ça c'est pour Bibi. Après, ce sera peut-être pour moyen. Bah, let's go. Hein. Je me balade. Oh, il y a une tête de mort qui me fait un peu flipper quand même. La tête de mort là-bas. C'est une tête de mort ça ou c'est Voldemort, je sais pas, mais. Je me sens pas trop quand même. Je vais voler le truc de la divinité d'abord. C'est pire que récolte. Non, j'ai pas lu, attendez, je la refais. Gardien du palais, enlevez le pouvoir d'esquive de la magie du bouclier offert à la divinité. Un glaçolier. Un bouclier pour Stener, peut-être. Non. Glaçolier. Glaçolier plus 1 de force, plus 1 de magie. Plus 1 de protect, plus 1 d'esquive magie pour auto-lévitation et contre-attaque. C'est fort. C'est ultra fort, Glacier. Il a compétence là. Pour, Ah, l'auto-lévitation coûte 6, fait chier. Contre-attaque coûte 8. Oh, vous êtes chiant. On va monter tout ça. La petite bougie ici, hein, tout ce qui reste. Il manque un autre passage secret de merde. Ça ne sert à rien. L'apôtre du ciel. Apôtre de l'autre monde. Re-sauvegarde parce que j'ai une glacière. Une glacière, c'est pratique pour un pique-nique. Vous savez, la musique que je suis en train d'entendre là, même si c'est pas voulu, ça va me faire écœurer Freddie Mercury. Le pauvre. T'as pas une bougie là? Tellement dans la tête, horrible. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? On s'en fout de la bougie, t'étais dodo! Une combinaison à faire. Ça, ça change rien. La tentation du fantôme. Ne courez pas après l'ombre du pervers, mais après celle du saint. La pose du ciel. Non, ça c'est le saint. Ah, faut peut-être jouer avec les ombres. Je vois, ça fait une ombre. Ok.
On va jouer avec les ombres, ça fait... C'est bizarre que ça s'est pas activé d'ailleurs. Parce que quand j'avais fait comme ça, c'était bon. La peau de la lumière. Faut courir après l'autre pervers. Comme ça. Je vois un guerrier qui court après la gargouille. C'est bon. Mais putain, c'est le contraire. L'autre gargouille qui doit courir après le... Ok. C'est le contraire. Donc ça... Cours après ça. On va tous, on va faire toutes les combinaisons possibles, hein, pas de problème. Donc tous après le tableau de merde. Allez, hop. Voilà. Le démon poursuit le saint. Ou vice versa. Ça c'est la suite, enfin, j'espère. À la tête du sauvegarder encore. Bonjour. Enfin la dernière bougie. Alerte, un truc détecté. Ah bah, putain, il a fallu une semaine. Passage du mode surveillance au mode action pour l'élimination des intrus. Qui c'est qui parle? C'est surtout pas clair jeu à ça. T'es qui? Allez, montre-toi si tu l'oses! Oh, c'est un boss carrément. C'est ça parce que j'ai couru après le saint! Ou plutôt après le singe! C'est quoi ça? J'affronte la fenêtre. Augmentation des défenses. Détecté dans maison, perd le défait en cours. Échec, annulation d'attaque élémentaire. Échec, augmentation puissance magique. Échec, augmentation de défense. Échec critique. Échec, augmentation de défense. J'ai tout volé. J'y ai tout pris. Échec, performance par perle d'effet. Ah bah heureusement que j'ai tout volé en fait. Boomerang. On va le dézinguer en fait. J'ai volé à la déesse tous les pouvoirs. Et je crois qu'il y avait un game over possible. Glacier X. Hein. Rigole 0. 200. Et sous boomerang, tout à 48, mais putain! Ils font trop de def, mes persos! Brasier! Ah, je peux pas le voler en plus, c'est dommage! Tout sur Stenner! J'avoue, c'est lui qui a voulu allumer la bougie. 42. T'as pas un truc... Petit coup de soin. Oh. Heureusement que j'ai récupéré l'alliance aussi. Hein. Je m'en sors bien. J'ai vraiment tout volé. Hein. Donc c'est un boss quasiment gratuit. Hein. Non seulement j'ai piqué tous ses objets, mais en plus ça le boostait lui en fait.
Et du coup, il est nul à chier. Alors, j'imagine que si je lui aurais rien volé, ça aurait été le boss qui one shot à 9999. Ça paraît fou chier. Le combat est quand même un petit peu long. Je me suicide, pile. Ouais, non, le stuff, hein. Boomerang à nouveau. Elle va pas tarder à tomber quand même. On continue à faire boomerang, hein, pas de problème. Je vous laisse. Tiens, pourquoi je me tape? Pourquoi je me tape? Blocage des défenses. Je fous! Bon, pour battre Kuja, faut lui voler toutes ses affaires en fait. À poil, Kuja! Compétence plus, truc plein champion! Auto les vite, oui, il a vraiment tout récupéré quoi. C'est gratuit là. La thune, de l'élixir, un éther. Oui. Ah, réteins la bougie. Merde, j'ai pas sauvegardé! Sauvegarde. Je m'en fous, on sauvegarde. Donc on récapitule, si je n'avais pas tourné en rond, j'aurais pas récupéré le dernier objet que j'avais oublié la semaine dernière, qui fait que le boss est devenu ultra facile. J'ai vraiment fait gaffe, tout va bien, pas besoin de temps, je pense qu'on va continuer l'histoire après. Du coup on va modifier les équipements parce que tout le monde est à fond, hein. La diamantine je crois que c'est le maximum. On va avoir meilleur stuff pour l'instant. L'armée d'or, si je peux pas faire mieux. La glace, le glacelier, c'est pas encore. La carapace, je crois que c'est le maximum. On est bon. Le lapis, je peux le remplacer. Alors, il y a ni chaud ni froid. Avec la félarme, justement. Let's go. Les bottes magiques, alors lui. La pleine lune. On a le sanatorium. On va le mettre. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon, mais je crois que je peux pas faire mieux. Torban, je peux pas faire mieux. Non, c'est vraiment. Ah si, il y a un truc là. La pleine lune, justement. Et hop. Pleine lune plus ça, nickel. Masse magique, je crois que je peux pas avoir mieux. Derrière, le problème c'est qu'il y a déjà. Bibi, il est occupé. Attends, touche pas à kimono. Je peux pas faire mieux. Et du coup, on va partir sur. Sur Ifri. Bibi, ça prend du temps. Kimono, je peux pas faire mieux. On va vérifier encore. Ah, on a deux doigts. Le capuchon, c'est en cours. Et ça, c'est à deux doigts. Double sauvegarde. Le meuble. En plus ça, plus je sauvegarde tous les 5 minutes, hein, je suis désolé. Je suis comme ça, plus j'avance dans le jeu, plus mes sauvegardes, je les spam. Limite à sauvegarder à chaque combat. J'ai ce gros défaut, je suis désolé. Je suis ultra safe. Hein. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien faire améliorer mes personnages le plus possible, histoire d'être tranquille. Comme c'est surtout un let's play découverte et que c'est un truc où les ennemis s'adaptent pas à ton level, par exemple, il n'y a pas de commande difficile, hein, une simple attaque c'est réglé, voilà, c'est un truc très basique, donc ça me plaît, donc ça va prendre du temps. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Pendant ce temps. Ah, on a récupéré l'objet que veut Kuja qui va le rendre invincible et il va détruire le monde.
C'est trop bien. Je suis enfin revenu. Ce n'est pas le moment de me détendre. Je dois aller sauver les autres. Je peux toujours pas y aller, monsieur. Pospo. D'accord. Je pospo. Vite, allons sauver les autres. Je ne dois pas prendre le... Mais je suis un invité. Révolte. C'est quoi ça encore? Ça se mange. Esquive, bien joué. Je sais pas combien ça a de PV, mais c'est pas grave. Ah, toi, il a déjà plus de PV. Hein. Ah, il a encore plein de PV. C'est parti. Ouais, il a resté plus beaucoup de PV en vrai, menteuse. Ça qui est chiant, c'est que au bout d'un moment, je vais tous les one-shot, du coup, je pourrais plus les manger. Plus 20% d'HP. Mais comme s'il en avait pas assez, Dylan. Je veux prendre le TP ici. C'était pas le TP. De toute façon, il y a que des. Mais putain de. C'est bizarre, quand c'est ce groupe-là, j'ai envie de gueuler. L'autre groupe, ça s'est bien passé. Oh putain, encore eux. Mais ils font. Je fais pas de dégâts avec eux. Rouge. Il devient bleu. Un bleu, je peux le défoncer. Go sur le bleu. Manger, il faut le manger. Attends, mange-le. Mange-le. Merde, bah mange-le. Il faut l'affaiblir. Il est passé bleu. Défense. Et tu le manges. Vas-y, mange-le. Si je mange pas, je dégage. Morphée. Ça fait pas dodo. Ça dodo. Ça dodo. Mange-le. Mange au moins. Oui, il est pas bon. Il est mort, c'est déjà ça. Va le bouffer. On va bien farmer ici, hein. Il y a beaucoup d'XP à se faire. Hein. 3000 XP, gratuit. Mais nique-toi de faire tout le tour. Lui est juste à côté, je vais faire le tour parce qu'il y a 3 cailloux qui sont tombés. Ils sont tombés, c'était des cailloux. Bon, lui, on va essayer de le bouffer quand même. Ici, on va te bouffer. On va te taper. On va te taper. On va te taper. On va défendre. On va défendre. Belle défense. Freya, attaquer. Non, pas Freya. Mais non, pas Freya, c'est Echo. J'ai confondu. Je suis de la merde. Puis non, c'est pris des dégâts pour rien. Chier. Ah, niveau 34-35, les gars, vous êtes trop élevés. Hein. On stop, on bouge plus. On se met là, on ne bouge plus, on va faire la première coupure tout de suite. A tout de suite, les gens.